الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم mes chers frères et sœurs. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est pour répondre à une fameuse question. J'ai eu précédemment un débat à propos donc islam, christianisme, religion de paix ou de guerre avec le frère Gobam. Et lors de ce débat, j'ai posé une question. J'ai demandé donc à Gobam cette fameuse question. Il soutenait la cause que le 11 septembre avait été fait par les musulmans. J'ai rétorqué en disant que ceci n'a pas été fait par les musulmans. En posant cette question-là, c'est qu'est-ce qui a pu causer les mares d'acier et de métal fondu, plier les colonnes d'acier sans les fissurer et brûler sous terre pendant plusieurs semaines. Et j'ai ajouté que s'il répond le kérosène, je serai forcé de faire un développement chimique, mais que malheureusement ce jour-là ce serait très difficile pour moi de le faire dû au manque de temps. Et on m'a demandé de faire d'effectuer ce développement chimique, donc c'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui pour le faire. Donc voilà toutes les données que nous avons. Tout d'abord, il faut savoir que le kérosène est un mélange d'hydrocarbures qui contient des alcanes. L'alcane a pour formule générique CnH2n plus 2. Donc, si je dois vous le noter, donc je vais vous le noter ici. Un alcane, qu'est-ce que c'est? C'est donc un carbone, mais toutes les liaisons carbone sont complètes. On se retrouve donc des liaisons simples. Ici, nous avons à chaque fois des hydrogènes. Bon, c'est difficile de dessiner avec cette chose. Nous avons à chaque fois des hydrogènes. Ça, c'est ce qu'on appelle un alcane. Le N ici représente donc le nombre de carbone, c'est-à-dire ici on aura donc C2, on aura C2, et ici donc le N représente également le nombre de carbone, c'est donc H. On aura combien d'hydrogène? On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc si on compte bien, donc notre 2, 2 fois 2 égale à 4 plus 2, on aura H6. Donc le kérosène, et c'est un alcane qui va de 9 à 17. De 9 à 17, de N allant de 9 à 17. Certains disent N allant de 10 à 14, mais bon, ça ne change rien. Donc, le kérosène, c'est un alcane. Un alcane, pour vous le rappeler, c'est différent des alcènes. Les alcènes, eux, ils ont des doubles liaisons, c'est-à-dire lorsque l'on retrouve une double liaison, ça, on aura donc deux liaisons ici, et on aura donc une liaison ici qui va sauter. Bref. Le Boeing 767 est capable de transporter 90 900 litres de carburant. Et on estime qu'au moment de l'impact, chaque avion transportait 37 900 litres de kérosène qui était inutilisé dans ses réservoirs. Et ceci, c'est ce que nous dit l'extrait du rapport du FEMA sur l'effondrement des bâtiments 1 et 2 du World Trade Center dans le chapitre 2. Ce n'est pas une estimation que moi j'ai effectuée, c'est ce que disent les sources officielles qui soutiennent justement la cause terroriste. Et pourquoi est-ce que l'avion n'était pas plein? C'est dans la mesure où les avions n'effectuent qu'un vol entre Boston et Los Angeles, ils étaient loin d'être pleins de carburant au décollage. Pourquoi? Parce que tout simplement, les appareils ont une autonomie maximale de 12 235 km et qu'ils transportent, en fait, les avions transportent toujours tout juste le carburant nécessaire pour effectuer le vol, avec une marge de sécurité bien sûr. Il faut se rappeler que lorsque on transporte plus de kérosène, l'avion est plus lourd, la consommation est plus grande, et donc les factures seront plus lourdes et les coûts aux passagers seront plus grands. Et de plus, l'appareil a consommé du kérosène entre Boston et New York. Donc, il y a eu une dépense entre Boston et New York.
Ce qu'il faut également savoir, c'est que 1 gallon, c'est égal à 3,1 kg. Donc, 3,1 kg égale 1 gallon. Le point d'inflammabilité du kérosène est situé entre 42 et 72 degrés. Il a une température d'ignition de 210 degrés et son enthalpie de combustion est de 42 à 44 mégajoules. Méga, c'est bien fois 10 exposant 6. Il ne faut pas oublier, c'est fois 10 exposant 6 pour méga. Fois 10 exposant 6. Voilà. Donc, passons à la dia suivante. Donc, les hypothèses, c'est donc la première hypothèse, c'est qu'il y avait 37 900 litres de kérosène au moment de l'explosion. C'est ce que nous disent les sources officielles. 37 900 litres, c'est plus ou moins égal à 10 000 gallons. Rappelez-vous que 1 gallon c'est égal à 3,1 kg, donc 10 000 gallons c'est égal à 31 000 kg. Il faut se souvenir de ceci, 31 000 kg. Ça, la première hypothèse a été effectuée par le FEMA. C'est le rapport du FEMA, ce n'est pas notre hypothèse à nous. Ensuite, ce que nous proposons de faire, c'est donc de prétendre que la totalité de ces 37 900 litres, c'est-à-dire de ces 10 000 gallons, s'est répandue dans un seul des étages et que le carburant s'est enflammé avec une quantité parfaite d'oxygène, qu'aucun gaz ne s'est échappé de l'étage par conduction thermique et voilà. Donc la combustion était parfaite, il y avait donc une quantité suffisante d'oxygène et qu'aucun gaz ne s'est échappé. Ça, c'est ce que l'on dit. Rappelez-vous, pour qu'il y ait une combustion, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un carburant, c'est-à-dire ici le kérosène. Il faut de l'oxygène pour qu'il y ait une combustion. Donc on va supposer que la quantité d'oxygène présente était parfaite et donc qu'elle était en quantité suffisante. Avec ces hypothèses idéales, aucune ne reflète bien sûr la réalité, nous allons donc calculer la température maximale qui a pu être atteinte dans les étages. Et bien sûr, ce jour-là, l'élévation de température véritable était en dessous de ce que nous aurions, de ce que nous allons estimer. Et cette estimation va nous permettre de montrer que les explications qui sont données par le frère Gobham et par les sources officielles ne sont pas correctes. Et dans un souci d'effectuer une présentation plus claire, la dernière hypothèse que nous allons effectuer, c'est que nous allons admettre que les hydrocarbures ont pour formule générique CnH2n. Nous allons abandonner les deux hydrogènes. Les deux atomes d'hydrogène pour que les calculs soient plus simples, pour simplifier les calculs. L'abandon de ces deux atomes d'hydrogène ne fait pas beaucoup de différence au résultat final, et si vous êtes intéressé, vous pouvez recalculer les chiffres pour obtenir un résultat plus précis, mais sachez que cela ne changera quasi rien au calcul. Voilà, donc ici on retrouve donc les différentes formules de combustion. En fonction donc de l'apport en oxygène, le kérosène brûle selon trois réactions chimiques. Donc CnH2n plus 2 plus donc l'oxygène. Ici l'équation a été pondérée. Donc à chaque fois les équations ont été pondérées. Ça nous donne n mol de CO2 plus n plus 1 mol d'H2O. Ça c'est ce que l'on obtient. Ce sont les trois différentes réactions. La réaction 1 se produit que quand le kérosène est mélangé à l'air avant de brûler, comme par exemple dans les moteurs d'avion. La réaction 2 et 3 se produisent
quand, par exemple, une flaque de kérosène prend feu. Et la réaction 3 a lieu, elle a lieu, on peut le savoir qu'elle a lieu lorsque l'on regarde les flammes et on voit une fumée très noire, donc on sait que c'est une réaction 3. Donc plus la quantité d'oxygène diminue, donc lorsque la quantité d'oxygène diminue, c'est-à-dire qu'il va s'agir donc du réactif limitant, la combustion va se produire sous différentes manières. Soit on aura un dégagement de CO2, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone ou bien seulement de carbone. Donc la combustion est donc de différentes façons. Nous avons prétendu que la combustion était parfaite, c'est-à-dire que la réaction 1 se produit. Donc on va donner encore plus de chance donc pour monter la température assez haute, notre estimation. Donc on va élever. Donc on a une approche qui est concordiste et non pas conflictuelle. Concernant l'air maintenant, dans l'équation que nous avons vue, c'était de l'oxygène que l'on avait et non pas de l'air. Or, dans l'atmosphère, on retrouve de l'air. L'air est composé partiellement d'oxygène. L'air sec, il est composé donc à 79% d'azote et de 21% d'oxygène, tout ceci en volume bien sûr. Et l'air normal a un taux d'humidité compris entre 0 et 4%. Nous allons donc incorporer ces différentes valeurs de la vapeur d'eau et des autres gaz atmosphériques mineurs avec l'azote. Donc le ratio principal donc de ces gaz atmosphériques est de 1 pour 3,76 qui a été calculé ici. Pour savoir comment on a fait, on sait donc que l'air est composé donc à 21% d'oxygène, 21% d'oxygène plus 79 donc azote N2. Et donc on va faire en gros ce que l'on peut dire une simplification pour avoir donc le ratio molaire. Et donc on aura donc ici, si on divise tout par 21, on aura 1 mole d'oxygène plus 3,76. Si vous divisez 79 par 21, vous allez obtenir 3,76 si je ne me suis pas trompé. Mais normalement, je ne me suis pas trompé. 3,76 N2. Voilà ce que l'on obtient. Et donc nous allons incorporer ceci dans nos calculs et nous allons obtenir donc une nouvelle équation. Oups. On obtient une nouvelle équation. Donc comme je l'ai dit, dans un souci d'effectuer donc une présentation claire et des calculs simples, nous allons donc admettre que l'hydrocarbure ne contient que l'hydrocarbure est un alcène. L'hydrocarbure est un alcène. Donc l'abandon de ces deux atomes d'hydrogène ne fait pas beaucoup de différence, je le répète encore une fois, et si vous voulez, vous pouvez refaire le calcul par après. Donc on obtient donc par abandon donc de ces deux alcènes la formule générique suivante. C'est juste pour ne pas avoir le n plus 1 ici qui va nous compliquer un peu la tâche, mais sinon, si vous regardez donc notre équation précédente, je reviens, ici on avait à chaque fois un n plus 1. Si vous regardez, on avait un n plus 1. Donc pour rendre le calcul plus simple, on supprime donc les plus 2 ici. Si on supprime le plus 2, on aura n mol de H2O. C'est simplement pour avoir un calcul plus simple et ça ne change presque rien au résultat final. D'autant plus que nous prenons une approche concordiste et que à chaque fois on accorde, on va vers le haut pour estimer la température maximale qui est pu atteindre et non pas la température minimale. Donc, ça, c'est l'équation 4. Maintenant, si l'on remplace donc dans l'équation 4, comme on sait que l'oxygène, on retrouve de l'oxygène et de l'azote, nous devons l'inclure dans les équations. En plus, il faut le dire, l'azote ne va rien changer dans l'équation, il est juste là, il est présent. La seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va absorber de la chaleur, donc il va affecter l'équilibre de la chaleur. Mais l'équilibre molaire ne sera pas affecté. C'est pourquoi donc nous allons utiliser cette équation parce qu'il intervient dans la chaleur.
Voilà, donc ici nous allons calculer donc le ratio molaire. À partir donc de cette équation, on peut voir le ratio molaire de l'hydrocarbure par rapport au produit. Tout d'abord, il faut donc ici savoir donc les masses atomiques relatives pour l'hydrogène 1, le carbone 12, pour l'azote 14 et pour l'oxygène 16. Ça, c'est les différentes choses à savoir. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire pour vous expliquer ici ce que l'on a fait? Le CnH2n, l'hydrocarbure, si on engage n mol d'hydrocarbure, n mol, on va former n mol de CO2, n mol de H2O et 5,64 fois n mol de azote. Ça, c'est tout simple. Puisque notre réactif limitant, c'est bien sûr l'hydrocarbure et non pas l'oxygène, puisque nous prétendons que l'oxygène était là en quantité suffisante, que notre réactif limitant était l'hydrocarbure, pour avoir une combustion parfaite et ainsi la température pour monter au plus haut point. D'autant plus que ceci n'est pas vrai, que la combustion n'était pas parfaite, puisque si l'on observe les vidéos, on peut voir un échappement de fumée noire, ce qui nous indique que la combustion n'était pas parfaite. Mais nous allons prétendre que la combustion était parfaite, que la température maximale, pour avoir une température maximale très haute. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? Si on engage n mol, on aura formé n mol et 5,64 fois n mol. Si l'on prétend que l'on engage une mole de CnH2n, une mole de CnH2n est égale à 14 grammes, on va former 44 grammes de CO2, 18 grammes d'H2O et 157,92 grammes, 157,92 fois n grammes de azote. Donc on peut retrouver donc le ratio molaire. Donc si on engage 1 gramme d'hydrocarbure, on va former 3,14 avec toutes les virgules grammes de CO2, 1,29 grammes d'H2O et 11,28 grammes d'azote. Vous pouvez effectuer le calcul, normalement il n'y a pas d'erreur là-dessus. Et donc on peut dire que si l'on engage 31 000 kg, c'est-à-dire fois 31 000, ici on a divisé à chaque fois par 14, on divise donc par 14, divisé par 14, divisé par 14, divisé par 14. Maintenant on fait fois 31 000 kg, puisque ce que l'on a engagé c'était 31 000 kg, n'oubliez pas, c'était donc à peu près 37 900 litres. C'était égal à 10 000 gallons. 10 000 gallons étaient égaux à 31 000 kg. Si on engage 31 000 kg, on forme 97 428,66 kg de CO2, 39 857 kg d'H2O et 349 680 kg de azote. C'est tout ce qui a été formé lors de la réaction de combustion le 11 septembre. On retrouve donc ce qui s'est passé chimiquement. C'est ça qui s'est produit. Maintenant, intéressons-nous au bâtiment. Chacune des tours contenait 87 090 tonnes d'acier. Cela correspond donc à une moyenne donc de 744 tonnes par étage. Il suffit de faire 87 090 tonnes divisées par 117 étages. Donc, on obtient 744 tonnes d'étages. Et nous allons effectuer une hypothèse. Nous allons supposer que les étages inférieurs contenaient approximativement deux fois plus d'acier que les étages supérieurs, puisque les étages à la base doivent supporter davantage de poids, donc c'est normal que les étages inférieurs contiennent plus d'acier que les étages supérieurs. Donc nous estimons donc que les étages inférieurs contenaient, les étages supérieurs, pardon, à peu près 998 tonnes d'acier et plus ou moins 500 tonnes pour les étages inférieurs. Nous allons supposer que les étages cisaillés par le fuselage contenaient la valeur estimée la plus basse, c'est-à-dire 500 tonnes, c'est-à-dire 500 000 kg d'acier. Cela va sous-estimer donc la quantité d'acier. On pourrait dire qu'il y avait plus d'acier que ça, mais on va sous-estimer la quantité d'acier par rapport à la réalité. Et une fois encore, cela conduit à une estimation de la température maximale plus élevée. Donc on est encore plus concordiste ici dans notre approche. Chaque étage disposait donc d'une dalle de béton, et ces dalles qui étaient faites de béton allégé, pardon, ils mesuraient 63 mètres de longueur sur 63 mètres de largeur, et
10 cm d'épaisseur. On a utilisé donc ici 10 cm pour l'épaisseur. Donc chaque dalle avait une surface, pardon, de 405 mètres cubes de béton. Un mètre cube de béton pèse 1763 kg, donc 405 mètres cubes de béton pèse 714 015 kg. Au total, donc, on retrouve 1 400 000 kg de béton dans le bâtiment. C'est une estimation maximale car au centre de chaque étage, il y a des trous qui est formé par les ascenseurs, par les escaliers, les poutres, les gaines de communication et autres. Donc l'estimation de béton est maximale, cela conduit donc à une température estimée maximale, encore plus élevée. On va donc essayer donc maintenant, avec toutes nos données que nous avons récoltées jusque maintenant, de calculer la température maximale qui a pu être atteinte. Maintenant, si l'on prend donc tous les composants et que l'on estime la température maximale à laquelle ils ont pu être chauffés par 10 000 gallons de kérosène, c'est-à-dire à peu près 37 000, 38 000 litres, nous allons donc dire que cette température, c'est la température maximale, la température T. Puisque la valeur calorifique du kérosène, comme nous l'avons mentionné, est de 44 mégajoules par kilogramme, nous savons donc que 10 000 gallons, c'est-à-dire 31 000 kilogrammes, fois 44 mégajoules, va nous donner 1 364 milliards de joules d'énergie. Il s'agit en fait de la quantité totale d'énergie qui est existant, qui est capable de chauffer toutes les composantes à la température T maximale. Mais quelle est cette température T? Donc l'énergie qui a été dégagée lors de la combustion, l'énergie maximale qui a été dégagée est de 1 364 000 joules. Donc, quelle est la température T maximale qui a pu être atteinte? Pour le découvrir, nous devons donc calculer le montant d'énergie absorbé par chacun des ingrédients, des composants qui sont entrés donc dans la réaction. Et on retrouve ici donc les capacités thermiques massiques. Passons à la diapositive suivante. Donc, nous allons calculer l'énergie nécessaire pour élever donc la température, l'énergie qui a été absorbée par chacune des composantes. Et pour ce faire, pour tous ceux qui ont eu science en cours, donc nous allons utiliser donc cette approche-là, cette formule-là. C'est une formule que l'on retrouve dans tous les livres chimiques basiques, que lorsque l'on étudie la thermodynamique. Q, c'est-à-dire l'énergie, c'est égal à la masse fois la capacité calorifique fois la différence de température, la variation de température. Nous avons donc ici donné un exemple. L'exemple, c'est pour le béton. Nous pouvons dire, donc si l'on isole delta T ici, la variation de température, nous pouvons dire que la quantité totale d'énergie, c'est égal à la masse fois la capacité calorifique fois la différence de température. Donc les 1 364 000 qui correspondent donc à Q divisé par la masse. La masse de béton, nous l'avons dit plus tôt, il y avait donc ici 1 400 000 kg de béton, fois 1 400 000 kg, fois la capacité calorifique du béton. La capacité calorifique du béton, il est de 3 300 joules par kilogramme par Kelvin. Et donc nous retrouvons une variation de température de 295,24 degrés Celsius. Nous pouvons calculer comme ça la différence de température pour chaque composante, mais la manière la plus simple, c'est de calculer directement le total. Donc les 1 milliard, les 1 364 milliards que l'on va diviser par la masse totale fois la composante, fois la somme de la masse totale, fois la composante de chacune des composantes des ingrédients du bâtiment. Donc ce que nous on fait, c'est Q divisé par la somme de M fois C est égal à delta T, fois la somme
de M fois C. Et ici, voilà, ça c'est ce que nous faisons. Donc Q est égal à 1364 milliards, divisé donc par la somme de chacune des composantes. Tout d'abord, donc, on a le béton. Le béton, c'est 1 400 000 kilogrammes. Ici, on travaille en kilogrammes, fois 3300, fois, c'est la capacité calorifique, plus 97 428,66 fois 845. 845, ça correspond au dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, nous avons donc trouvé ici 97 428,66 kg. 97 428 pour le dioxyde de carbone. Ici 1680 et 39 857. Ça correspond donc, si l'on regarde ici, à l'azote. L'azote, on l'avait trouvé bel et bien ici. Pardon, ça correspond à l'eau, 39 857. 39 857 fois 1690. Et on retrouve bien, j'ai utilisé 1680, une petite erreur ici, mais ça ne change pas grand-chose puisque ça, ce sont des constantes qui varient en fonction de la température, donc ça ne va absolument rien changer. Vous pouvez réeffectuer le calcul, vous n'allez pas obtenir une très très grande différence, peut-être même aucune différence, vous n'allez l'obtenir, vous pouvez le faire. Ou bien peut-être il s'agit simplement d'une erreur dans la DIA, mais bref, ici c'est 1690, et ça c'est une table de conversion. Vous allez trouver, si vous êtes un peu chimiste, vous allez trouver donc d'autres tables de conversion qui vont donner 1680 au lieu de 1690. Ce sont des constantes qui ne sont pas, qui n'ont pas un point franc. Ça ne change absolument rien. Et puis 349 680, ça c'est pour l'azote, fois 1038. 1038, 349 680, c'était la masse d'azote. Et nous avons 450, ce qui correspond à l'acier, et nous avons dit qu'il y avait 500 tonnes d'acier. Donc la température maximale, la variation de température qui a pu être atteinte était donc de 255 degrés. Par combustion, par la réaction de combustion du kérosène, la différence de température ayant pu être atteinte ce jour-là dans le bâtiment était de maximum 255 degrés Celsius. Si l'on prétend que la température initiale était de 255 degrés, la température après que la combustion était maximale, la température maximale était donc de 280 degrés Celsius. Elle n'a pas pu être plus élevée que ceci. Et l'on retrouve, si nous sommes donc à peu près à 280 degrés Celsius, nous sommes à peu près ici, ici, hop, et ici, hop. À 280 degrés Celsius, si vous regardez, la résistance du bâtiment est encore parfaite, elle n'a pas été diminuée. La rigidité commence à peine à être diminuée. Et si on regarde la déformation, la valeur relative donc de la déformation, elle est encore quasi parfaite. Ici, dans la résistance, elle est parfaite. Ici, elle est encore quasi parfaite. Il faudrait descendre en dessous de 0,5 pour commencer à pouvoir avoir seulement un danger réel. Le réel danger, ici, il n'y a pas de réel danger. Si seulement on atteignait le point d'à peu près 500 degrés Celsius, à partir de 500 degrés Celsius, il y avait un réel danger. Donc le carburéacteur ne peut faire augmenter la température que de 255 degrés. Donc nous avons émis l'hypothèse selon laquelle la totalité du kérosène s'est déversée dans un seul étage, ce qui est totalement faux, qu'aucun gaz ne s'est échappé, ce qui est totalement faux, qu'aucune chaleur ne s'est échappée de l'étage par conduction thermique, ce qui est faux. Et avec toutes ces hypothèses qui vont agrandir la température, nous arrivons à 280 degrés, à une différence de température de 255 degrés. Nous avons constaté donc qu'il est impossible au kérosène seul, à lui seul, d'élever la température de cet étage au-delà de 280 degrés. Or, cette température n'est pas suffisante pour donner ne serait-ce qu'une amorce d'explication
à l'effondrement de ces deux tours. Donc la question subsiste toujours. La question qui était, si je vous la rappelle, c'est qu'est-ce qui a pu causer les mares d'acier et de métal fondu, plier les colonnes d'acier sans les fissurer et brûler sous terre pendant plusieurs semaines? Cette question subsiste toujours. Si vous avez d'autres hypothèses, vous êtes les bienvenus pour les poser en commentaire. S'il y a des erreurs dans mes calculs, n'hésitez pas à les mentionner. Bien sûr, donc ici, je le dis bien, les 37 900, ce n'est pas égal exactement à 10 000 gallons, c'est une approximation. C'est une approximation, mais qui ne change rien à la valeur finale. Les hypothèses que nous avons admises ici, donc en supposant donc que le kérosène était un alcène et non pas un alcane, ne va presque rien changer, quasi rien changer, même un degré, peut-être un degré, pas plus, à la température. Nous avons donc ici donné plus de chances en supposant donc que la combustion était parfaite. Or, on sait que dans le bâtiment du World Trade Center, ce qui s'est passé, c'est une réaction de mélange entre la réaction 2 et la réaction 3. Pourquoi est-ce que les pompiers portent des masques? C'est à cause du monoxyde de carbone, qui est un gaz mortel. Donc, la réaction qui s'est produite réellement, c'était un mélange de réactions 2 et 3. Or, nous avons supposé la réaction réelle qui s'est produite en regardant sur les vidéos dégagement de fumée. Or, nous avons supposé que la combustion était parfaite, que toute la quantité de kérosène a pris feu. Ça, c'est ce que nous avons supposé dans nos trucs, dans nos calculs. Ici, donc, nous avons introduit donc les différentes valeurs, les ratios molaires. Nous avons été avec le plus de décimales possible. Nous avons utiliser donc le moins possible de masse pour les caractéristiques du bâtiment, c'est-à-dire qu'il y avait moins de choses qui pouvaient ralentir donc la combustion, et ce qui est encore une approche plus concordiste. Et ici, c'est vrai 1690, 1680, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que dans mes calculs j'ai utilisé 1680, je pense qu'il s'agit d'une erreur de frappe lors de l'IA. Mais cela ne va quasi rien changer au calcul. Vous pouvez faire le calcul, vous pouvez l'effectuer vous-même le calcul et vous allez arriver à cette valeur de 255 degrés Celsius. Et même si vous utilisez 1680, ceci n'est pas une erreur. Je le répète encore une fois. Néanmoins, si vous trouvez une erreur et que vous dites que j'ai effectué des erreurs, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je veillerai à y répondre. ودعوا إلى دين سواء ودعوا إلى دين سواء خاضوا المتاعب والردى تركوا الأسى